Et puis salut à vous toutes et vous tous qui nous regardez. Et évidemment, ce soir, je vous propose de débuter notre émission avec Arnaud Gromard et Alexis Thomas Schlarta, deux danseurs de claquettes virtuoses qu'on est très heureux de recevoir ce soir. Arnaud, Alexis, vous dansez ensemble depuis un peu plus d'un an. Vous allez être accompagnés au piano par la sublime Célia Onetto Ben Saïd, juste derrière nous. Merci beaucoup, Célia, d'ailleurs, d'être ici. Alexis, Arnaud, vous êtes fan de Jane Kelly et Fred Astaire. On n'a jamais fait mieux depuis, c'est ça ? Non, c'est difficile. C'est difficile de faire dans ce style, c'est difficile. Jane Kelly, Fred Astaire, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Personnellement, Jane Kelly a changé ma vie. Et si je devais résumer en quelques mots, je dirais puissance, élégance, mais aisance et surtout générosité. Et concernant Fred Astaire, je dirais que c'est le côté débonnaire, sans effort, la danse qui surgit de la marche. Et le fait de pouvoir penser que peut-être tout le monde peut faire ça. C'est exactement ça, la démocratisation voilà. De la danse. Ouais. Je vais donc vous laisser la scène comme ça, et je pars en marchant. Allez. En marchant, mais vaut mieux, en marchant, rafale. Merci beaucoup, c'est à vous. Don't bring a frown to old Broadway. Now you got a clown on Broadway. Troubles there, they're out of style, for Broadway always wears a smile. A million lights, they flicker there, a million hearts beat quicker there. No skies of grey on that great white way, that's the Broadway melody. Sur la scène de Culture Box. Merci, bravo, vous l'avez fait. Bah oui, c'était beau. C'était magnifique. C'est intemporel. Parce que ce soir, encore, sur la scène de Culture Box, il y a plein de talents qui vont investir notre plateau. Rafale.